portière et essaie de descendre. Voilà, je vais ouvrir. Voilà, je vais ouvrir. Je m'en bats les couilles. Je vais rentrer. Je rentre, je rentre. Non, la portière, Anna. Parce que j'ai oublié mon doudou. Mais d'accord. La portière. Regarde, tu sais comment s'appelle le jeu? Little Hope. Exactement, c'est un jeu. Marie. Faut terminer la phrase, c'est un jeu. C'est un jeu d'horreur. Voilà, qui se joue en... En coop. Exactement, et nous sommes actuellement avec... Avec moi. Et... Et toi. Oh, astaghfirullah. Mais qu'est-ce qu'il est bon, Hein? C'est parti. Mais ça fait vraiment peur ou pas? Mais non, ouais, ça fait pas peur, sûr c'est pas possible. Parce que moi j'aime pas quand ça fait trop peur, ouais. Non, t'inquiète. C'était une nuit sombre. C'était une nuit sombre. Voilà, ça là. Attends, Little Hope. Donc là, nous sommes devant une caravane. Ah, d'accord. Il y a un monsieur qui sort. 21h42, Roya. Oh, y'a Yaba là, j'ai ramené à manger là. Qui c'est qui va manger ta race là-haut? Oh putain, j'ai mal au ventre, Roya. Putain de boulot. Putain de vie. Wesh, il a un de ses bus. Il y a un de ses boules, ouais. Tiens. Mais j'ai pas regardé, hein. Il y a une ambiance sombre. Ça me rappelle mon enfance quand j'allais au centre aéré. Hein? Et qu'on rentrait tard le soir à 22h. Ah ouais? Quand on arrive en ville! Ah, wesh, il y avait personne là, maintenant il y a du monde. What the fuck? Ouais, il y a du monde, Allez, branche matin! Allez! Ma putain! C'est ma mobilette! Je conduis mon bus, j'en ai marre des bus, je rentre chez moi! Il y a beaucoup de brume! Attention le stop! Je ne m'arrêterai pas! Rien à foutre! Oh, il est foutu! Ah, ah. Pouah, comment il marche! T'es mort! Aïe, shérif, sahbi! Allez, sur le côté! Toi, gamin. Oh putain, j'ai pas de permis! Putain de vie! Putain de flic! Oh, t'as vu son oreille? Elle est brûlée? Ouais! Ah ouais! Mais y'a personne avec lui? Si, y'a des enfants! Ah bon? Bah oui, y'avait des têtes derrière! Mais ouais, c'est aucune discussion. Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci. Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Ouais, j'ai fait peur. Ça va. Vous avez l'air un peu perdu. Il est bizarre, le chauffeur. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Mais il fait peur, même le shérif il fait peur, regarde. Tu prenez la route est. Mais regarde. Traverser Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Voilà, il fait peur, le shérif. Il est tout seul en plus, vraiment, il n'y a pas de collègue ou quoi. Et en plus, il nous force hein, à faire les trucs là. Hein. C'est un forçage gentil, quoi. Putain de vie. Putain de flic. Bon, je continue ma route. Ah, c'est pas des enfants parce qu'il a dit des gens. Ouais, c'est pas des enfants. Il a l'air stressé, m'skin. Arrêtez de frotter ce truc, il va se désintégrer. What? What? Mais qu'est-ce qu'il a? Vous êtes sobre depuis combien de temps? Un petit peu moins de 3 mois. C'est bien. Imagine, il a bu. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs. Non, il l'a pas bu, mais je pense que c'est un ancien alcoolique. C'est ridicule, mais... Ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeu. You are entering Little Hope. Eh, hey, c'est pas par là? Ça va, c'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Du calme, tout ira bien. Pitié, John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Mais putain, les gosses de merde! Oh merde! Oh putain! Tu penses qu'il est mort? Inch'Allah, il est mort! Elle avait trop de problèmes. What? On se retrouve dans une maison maintenant. Faut pas essayer de comprendre, Roya. Tu suis en fait le jeu, tu vois. Le jeu était. Wow! Arrête, James! Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore? Pas moi. Bah, c'est pur! Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues. Bordel de merde! Je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job à l'usine. Ça fait des années que tu dis ça.
Je m'inquiète c'est sa mère plutôt ou sa meuf. Qu'est-ce qu'elle a, Mégane? Je vois pas où est le problème. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. C'est Macron avec Brigitte, ça. Le révérend Carson l'a encore gardé après la prière. Oh là, regarde, elle c'est est plus la quatrième fois. Elle va mal, c'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. C'est le chauffeur de J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme on dirait, mais non. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps? Tu te fais une montagne de trois fois rien. T'es en train de te rendre malade sans raison. Trois fois rien? Allez, gifle-la, bordel! Fais le bonhomme! De la famille, j'ai pas fait ça trois fois rien, moi. Griffe-la! Un coup de main ferait pas de mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tiens, prends ça! Tu vois pas à quel point c'est dur pour moi. T'es pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. M'en bats les couilles. Pas maintenant. Et dégage. Et t'as En plus, t'es moche. Vas-y, il est où mon vibromasseur? Mon truc, là. Voilà. T'es posé là. Pas ce soir. Vous voulez qu'il me casse, bâtard? Laisse ma paix. Vas-y. Elle voulait que je la ken, elle est malade. Elle a trop de problèmes. Attends, il y a les enfants et tout. Comme ils sont dans leur chambre. Prince, Vierre et Anthony. Wouh! Sale bâtard, va! C'était très sympa. Dis voilà! Voilà! Attends, mais tu m'as embrassé? Brusquerie, laisse indifférence, elle est toujours en retard. Attends, malaise? Ouais, malaise direct. Je sais pas comment le prendre, mais. Ok. On n'a pas le même jeu, là, Ness! Pardon. Attends. Non, toi t'es dans la maison, je pense. Moi je suis à l'extérieur. Moi je suis la meuf, Ok. Loin de ma mère. Mon petit copain, c'est un Renoir. Genre tout de suite. Allez, ne sois pas si dur. Tu vis pas avec. On se voit demain. Je consulte mon agenda. Hey, je suis pas une meuf facile, hein. Faut que je vérifie dans mon agenda si j'ai de la place. Les filles comme moi sont prisées. Je le doute. Je passe vers 8h demain. Wesh, il a une tête de pervers. Regarde, moi en fait, je rentre, je suis à l'extérieur, d'accord? Ouais, t'es une pute, attends. Non, je suis Tania. Arrête de comporter comme un abruti, c'est un accident. Hey, mais il m'observe comme un tueur en série, Roya. Mais il est malade, lui. Il attend que je rentre et tout. Ah, t'es en train de rentrer, là. Ouais. C'est fermé. C'est toi, là, qui arrive? C'est moi, je t'ouvre. Vas-y, ouvre-moi la porte. Salam! T'es avec des gars. Ouais, je suis avec mon copain. Ah, bah, fils de chien, c'est toi qui saute ma sœur. C'est toi, Prince, là? Voilà, c'est moi. Voilà, c'est dégaine. Ça va, ouais. Il a encore picolé. Bah ouais, il se picole. Il a commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. Et alors, m'en bat les couilles. À propos de quoi cette fois? Il a pas encore bu. Papa a encore bu. Quelle surprise. Prince, c'est toi mon copain là. T'es mon copain. Ça devient une rengaine, comme un disque. Tu vois là? Mais oui. Ah, je suis pas ton meuf. Pour la 36ème fois, je peux pas mettre mon vibreur. Tranquille. Bande de chiens. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. C'est qui lui? Bah lui c'est un clochard lui, on sait pas c'est qui lui. C'est un fan de musique là, il dégage de là clochard. Militaire dans une autre vie. Bah tu la laisses même pas utiliser son vibro frère. Arrête. Attends. Amusement. Oh la tête que t'as. Tu te denis tout craché. Quel crétin. Il est encore plus pénible que d'habitude ce soir. Voilà. Un vrai con. Et à part ça, rien neuf. C'est notre frère lui. Aradimout. Hé, hey, Denis! Ah, la petite, on l'a même plus calculé! Hey. Elle fait peur! Pas maintenant, j'ai pas le temps. Ah, la pauvre, elle est rejetée par tout le monde, voilà, elle est rejetée par tout le monde. Elle est moche, c'est normal, elle est moche! Oh! Hé! Hey, arrête de faire la folle! Voilà, ça me laisse même pas prendre mon plaisir! Vas-y, je vais manger un bel homme! Elle m'a fait peur, wesh! Seigneur! Ah bon? Tu m'as fait peur, mon ange. Je vous ai entendu parler de moi. Pas maintenant, Mégane. Dégage! J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes. Allez, moi, je vais me faire plaisir! Attends! T'es malade! Tu me fais rave comme ça? Bon, il est où, lui? Il est mieux! Oh, j'ai pris celui de 27! Ah, je sais, elle va se doiter! T'inquiète! J'ai la clé! Je peux l'avoir quand je veux. Attends, je vais l'enfermer. Je devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée. Elle m'a fait peur. Tu me connais, je ferai qu'aggraver. Attends, c'est moi qui parle là. Ça avait l'air plus grave que leur connerie habituelle.
Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Ah, je m'en bats les couilles, indifférent. Je suis vraiment pas étonnée, il y a quelque chose qui cloche avec Megan. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok, monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse d'ailleurs? Ah, il parle de Megan. Allez lui parler. T'as une tête Megan de con. Megan est à l'étage. Tu pourrais aller lui parler. Allez, va lui parler. Rien de mieux à faire. Je vais la voir. Va lui parler, je t'envoie au charbon, Enes. Hein. Voilà, j'y vais normal. Oh là, t'as une tête, Roya, t'es déprimé. Ah, c'est moi, Roya. Vas-y, ok, moi je me déplace, Roya. Je vais chercher Megan, faut que je parle à Megan. Maintenez RB pour prendre des objets, vas-y. Rien, moi mon objectif là, c'est faut que je parle à Megan. Vas-y, parle. Moi, je fais à manger. Quoi? Ah ouais, notre mère, elle est pas là. Denis? T'es toujours là-haut? Qu'est-ce qu'il y a? Wesh. Je veux juste savoir comment va mon frère adoré. Pas super. Cette débile de Bigfoot a piétiné tous mes disques. Wesh, il l'appelle Bigfoot. C'est ta la petite sœur. En plus, on dirait qu'elle a de meilleurs goûts en musique que toi. Prince ? Ouais. Il l'appelle Bigfoot, la petite. Ouais, c'est des bâtards. Là, je suis en train de parler avec mon daron. T'es là ? Pourquoi tu laisses maman toute seule dans la salle de bain ? Y'a personne qui répond, croyez, y'a personne qui répond. Oh, je suis dans une chambre. Oh putain, faut que je me déplace. Megan ! Megan ! T'es où ? Oh, attends, j'ouvre un livre. C'est un truc secret. Personne ne fait attention à moi. Ah, tu m'appelles? Ouais. J'arrive. Et Megan, ça va? Je la trouve pas. Je sais pas, je l'ai pas encore vue. Fermez-la un peu. Oh. Megan! On va bien dormir, moi. T'es content de toi? T'as réveillé l'ogre. Laisse-le, trouve Megan. Ça va, je m'en occupe. Ouais, c'est une maison ou c'est un parc, mon frère? De ouf. Trouve Megan. Attends, faut appuyer. La touche peut devenir lorsque vous restez calme. What? J'ai pas compris ça, moi j'ai perdu. T'as pas compris? Non, je sais pas comment on fait. Pourquoi t'es bête comme ça, Roya? Pour eux, je suis invisible. Je l'écoute. Et en fait, il faut juste taper en... Ce n'est pas bien du tout. En même temps? En rythme, ouais. Je ne veux pas faire ça. Voilà! T'as pas compris ça, Prince? Non, mais parce que moi, c'était un fil, carrément. Il y avait pas des petites coupures. Ah, ok. Non, tout est toujours. Ouais, je dors, mon daron. C'est pas grave. Parle à une poupée. Je l'ai retrouvée. Astaghfirullah. Mais là, je suis en train de parler avec Megan, croyant. Je n'écoute pas. Il dort, mon daron. Elle est trop moche. Mais à qui tu parles? Ouais, elle est trop moche. À une personne qui, elle, s'intéresse à moi. Elle est trop moche. C'est grave. Je peux pas éteindre la télé. Je vais être méchante avec elle. T'étais toute seule. Arrête d'être bizarre, sinon quelqu'un finira par t'emmener. Wouah, il y a des corbeaux, croyant. C'était quoi? T'as vu ça? Du voilà. Voilà, y'a des corbeaux dehors. Ah, Khoya, ça veut dire là. Va y avoir Haja. Hein. Je suis en train de visiter, moi. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Y'a des oiseaux partout, Khoya. Elle m'a enfermé, Khoya, je suis dehors! Megan. Ah ouais? Hey, voilà, Megan, elle m'a enfermé! Anthony, t'es là? Anthony, je t'appelle! Ouais, bah attends. Anthony! Anthony, tu fabriques quoi? Anthony, c'est pas vrai, t'es où? Sur le balcon. Anthony, ça me fait vraiment pas rire. J'arrive. Ah, je te vois. T'as que ta tête là. Oh, il y avait quelqu'un derrière toi. Oh, ouais, moi, ciel. Ah! T'as raison à propos de ma famille. Oh non. Je le pense aussi. Mais comment elle est? Oh! Tania, t'as pas vu ce que j'ai vu? Ouais, j'ai vu ce que j'ai vu, t'as vu? Je suis en train de geler, moi! Ouah, le bret de Zay, le tient à la montre, regarde! Oh non! Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive! Oh, Starfall, le feu! Prince! Oh merde! Prince, on est dans la merde! Oh merde! Y'a maman qui est en train de se toucher en haut en plus! Megan! Maman! Ouvre-moi! Papa! Maman, tu vas être vraiment chaude là! Attends! La cuisine est en feu! C'est pas vrai, tu déconnes! Mais voilà que c'est vrai! Megan? Oh! Oh là là! Bah alors là, mon pote, c'est fini hein! Wesh, papa! Mais il a le sommeil lourd quand même hein! Réveillez-vous! Lui, il est mort! Mais saute! Mais pourquoi il saute pas lui? Ah! Vous êtes tous passés. Maintenant, ils vont mourir. Anthony,
Allez. Mais aide-moi, aide-moi. Bah saute. Mais j'arrive pas à sauter, wesh. Allez. Anthony. Hé, là-haut. Qu'est-ce que tu fais avec là-haut? J'étais coincé dans le grenier. Laissez par le balcon. Anthony, à l'aide. Mais hey, papa! Mais t'es mal et tout, Isidore! Allez, viens! Cours, Alhamar, cours! Oh la mort, la mère, elle est foutue! Yo. Non, non, ça va tomber! Non! Wouh! T'es pas la petite! Cher! Cher! Wesh, il est mort là ou? Il meurt comme ça lui? Ouais. Allez, Bigfoot, ramène-toi là! Oh bah, elle est foutue hein! Ça y est. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Attends, mets-moi! Mais aide-moi, prince! Mais voilà, je vais t'aider! Vas-y, fais un choix! Wouh! Merde! Barba! Merde! Pétasse! Anthony! Ouais, j'arrive, t'inquiète! Mais aide-moi, wesh! J'arrive! Je t'ai choisi toi! Putain, mais tu prends trop de temps! Attrape la gouttière et essaie de descendre! Mais c'est grave! Descendre, ouvrir! Voilà, je vais ouvrir! Voilà, je vais ouvrir! Je m'en bats les couilles! Je vais rentrer! Je rentre! Non, la gouttière, Anas! Parce que j'ai oublié mon doudou! Regarde, ça sert à quoi de vivre? Toute ma famille est morte. Autant mourir, hein. Il a couru dans les flammes, mais t'es con. C'est la fin du jeu? C'est la fin, regarde. Non. Bah si, on a perdu, on est tous morts. Mais t'es vraiment con. Pourquoi t'as pas pris, t'as pris la gouttière? Regarde, je suis pas un chat, tu es un chat de gouttière ou quoi, moi? Bah regarde, la prochaine fois, je laisse la petite jouer. Apprécie, regarde. Wow. Ah, je suis badass. Je suis trop badass. Et là, le jeu l'a fini. Là, on a fini, frère. Mais là, le jeu, il est fini, là. J'ai jamais vu ça. Ah là 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 là. Écoute. Mais c'était pas fini. Bah non, c'est pas fini. Bah non, regarde. Avec ta gueule, j'écoute. Écoute ce qu'il va dire. Bonjour. Salam. Bonjour. Quelqu'un veut retenter sa chance? Excellent. La persévérance, c'est la clé. Oui. Ah, excusez-moi un instant. Allez-y, monsieur. Il parle pas avec toi. La vie m'est fastidieuse comme un conte de Fouedi. Ouais, tu commences tes charades comme un l'oreille déjà sourde d'un homme assoupi. Ouais, tu commences, vas-y. C'est vrai. Si l'histoire a été dite entière, sans oubli,
mais la vérité de ce récit n'est pas fixe. Je m'en bats les couilles, j'ai rien compris. Je vais t'attraper par le cou, mon pote. Mais je suis... Lâche-nous ! Autorisé à partager. On sent la pas les couilles. Je te dis si tu me pas nécessaire, oh, frère, laisse-nous tranquille. Une dernière chose avant que vous ne partiez. Oui, bien sûr. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donnent un aperçu d'un futur possible. Ouais, 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 ouais. Qui peut... Non, Roya, en fait, il faudra trouver des images et les retourner pour avoir des sortes de visions. Elles peuvent vous aider. Voilà, elles peuvent vous aider. En quel jeu je me suis lancé là, vous attend un enterrement? Allez-y, amusez-vous. Il est sérieux, Roya, on est dans la merde. What the fuck? Oh, ça commence bien. Bon. C'est l'enterrement de qui? Wesh caca. C'est devenu un prêtre. Parmi nous ici ne saurait dire pourquoi. Voilà, on dirait footballeur caca. Ah, je pense que c'est le... Mais réjouissons-nous de savoir que c'est toute la famille est réunie. C'est Tania, c'est moi qui suis mort. Dans la douce lumière de Dieu. C'est l'incendie. Ah ouais, son mec. Son mec, mais oui. Le gars qui t'a fourré. Non, non, il m'a pas fourré, je suis pas une meuf facile. Oh, l'orage. Je vois une lumière blanche, Roya. Je suis au paradis. C'est normal. On me touche les couilles. Ah. Oh. Bah, mais c'est moi, ça. Oh, t'as des beaux yeux, hein. Mais putain, mort, mais pourquoi je suis là, moi? Mais parce que t'es pas mort, en fait. Andrew. 18 ans. Étudiant. Anxiété, détachement. Ça se voit. C'est exactement toi. Ça se voit, hein? C'est exactement toi dans la vraie vie. Et je me retrouve. Tu fais quoi, espèce de clochard drogué, va? Voilà pourquoi je suis là. Ah, l'accident de bus! Salam alaikum, Taylor, 22 ans, étudiant, entêtement, sensible et une pite. Ah non. Sensibilité. John, 43 ans, professeur d'université, raison, autorité. Gros où mangeur. C'est Daniel, je le vois nulle part. Je ne sais pas. Salam alaikum. Daniel, 20 ans, adepte de binouz. Non. Merde. Pardon. Mon téléphone. Ouais, il a perdu son téléphone. Ah, j'ai une main. Ah, c'est moi elle. Angela, 48 ans, étudiante d'âge mûr, rudesse, adepte des sextoys. Compréhension. Angela. Ça a pas l'air d'aller. Ça va. Doucement. C'est eux qui étaient dans le bus, regarde. D'accord. Arrête. Mais le chauffeur, il est où? Dame, et relève-moi. Tiens, c'est bon, c'est pas, il est où? Prince JR et Taylor. T'es c'est la vieille? C'est la vieille dame ici. Ah non. C'est quoi ce truc? Ah non, t'es pas Angela. Apaisement. Toi tu joues Taylor, toi, croyant. On a roulé sur une bosse. Ça ira, vous en faites pas. Je sais que ça ira. C'est quoi ton arrogant? Mais ferme ta gueule, toi, la vieille. Mais elle est malade ou quoi, elle? Pardon, j'essaie seulement d'aider. Ouais, là, je suis dans la. Je suis un mec en polo. Rouge. Ouais, t'inquiète. En revanche, notre c'est toi le rouge, camarade. Bah, je sais pas, là, il me présente Daniel. Ah, bah non, Daniel, c'est pas toi. Mais il est où le chauffeur? Ça, le chauffeur, il est bizarre, quoi. Il est pas là. Il a été éjecté ou quoi? Hé! Hey, y'a quelqu'un là-haut? C'est moi? Hé! Hey, Daniel, c'est quoi? John, je suis rassuré. Daniel? Taylor, ça va? Ça va! Ah, t'es une meuf! Merci de demander. Prince, t'es une meuf! Oui, ah ouais, ça va. Ouais, ouais. J'ai déjà connu pire. Hé, hey, John. T'es la meuf. Vous savez pourquoi on s'est crashé? Pas vraiment. Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Il est avec vous en bas? Non, on l'a pas vu. Non, bizarre. Il est pas là. Il est pas ici non plus. Le chauffeur, il a disparu, croyant. Vous pouvez monter nous rejoindre? Ouais. La porte est raide. Tiens, ça se voyait si c'était un enculé. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien. Ça se voyait si c'était un enculé. Alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. A tout de suite. C'est la fin? Ça a l'air grave. J'espère que Taylor t'en fais pas pour Taylor, va. Croyage, je suis avec la vieille. Elle sait toujours se sortir. Moi, je suis... ils sont en train de m'aider. Je sais que Taylor peut être moi, je me... il se souvient pas de... égoïste, querelleuse et... Attends, elle parle... attends, la vieille, elle parle de toi. C'est une vraie crème. Elle te déteste, la vieille, elle te déteste. Dis voilà. Voilà, elle te déteste, elle parle dans ton dos, là. Regarde, je suis en malaise. Rien de cassé? Attends. Ça va, j'ai juste... la tête qui tourne un peu. J'ai la tête qui tourne, rien. Je pense que je vais porter plainte. Attends, je suis en train de l'aider, là. Pourquoi? Une mauvaise soirée? Ils sont responsables de notre sécurité. Tout ça, c'est de la négligence.
Non seulement on se crache au milieu de nulle part, mais on doit subir les sautes d'humeur de John. Allez, Roger, partons d'ici, c'est bon. Et casse les couilles, la vieille. Pour l'instant, la priorité, c'est de partir d'ici. C'est ma prof, je crois. Suivez-moi. Pourquoi les hommes pensent-ils que les décisions leur incombent? Parce que tu dois fermer ta grande gueule! Merci. Mais elle va mourir. Inch'Allah, tu vas mourir en premier, t'attends en fait, quoi toi. Ah oui, moi, je la vois pas, elle. Mais voilà, elle commence à me gonfler, la vieille. Je crois que je vais l'étrangler. Hein. C'est bon, j'arrive. Regarde, moi, je suis le beau gosse, le t-shirt rouge. Ouais, moi, je suis la meuf, elle a trop de swag. Regarde, moi, je suis avec une vieille, elle me casse les couilles, je te jure. J'ai une peur bleue de l'eau. Depuis toute petite. Je refuse de traverser. Mais sur la vie de ma mère, tu vas traverser. On a failli mourir dans un accident, et vous avez peur de vous mouiller? Il faut me comprendre. Cette tenue coûte très cher. Qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien se passer. Venez avec moi. Je ne sais pas si tu es apte à décider. Tu viens de manquer de t'évanouir. Mais bon alors là, toi... Bon, montrer c'est quoi, moi, être un vrai bonhomme, là? Allez, oh, là c'est facile. Avec des mocassins. Oh, avec des mocassins. Allez la c'est vieille bon. Allez la vieille. Allez-y. Allez la vieille. Vas-y. Oh. Vas-y. Merde, c'est pas encore fini. Allez. Mais Wallah, je te laisse tomber. Wallah, j'en ai rien à foutre. T'as fait quoi? Pardon, vas-y. Regarde, j'ai laissé tomber la vieille exprès. Pourquoi tu ne m'as pas rattrapé? Parce que t'es une salope! Ah désolé, je suis pas fait exprès, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Oh non... J'ai essayé. C'est pas ta faute. Le rocher était très glissant, couvert de mousse. Tu es avec le professeur, moi. Wesh! Y'a la petite Rouya! Oh mon dieu... Voilà, j'ai une vision! Non, moi je bouge d'ici. Hein. Je bouge de là, Rouya. J'aurais jamais dû m'asseoir à l'arrière du bus. Ouais, blé. Tais-toi. Je m'en bats les steaks, alors là je me casse. Tu as entendu? Hein? Vous êtes là? Salut! Ah ouais, on est là. Content de vous revoir. C'est moi le mec en rouge, enfin. Moi je suis la meuf avec du charisme. On a fait un petit tour. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pris votre temps. J'étais inquiète. C'est toi ça? Mais ouais, c'est moi. C'est elle qui parle mal de toi? Bah ouais, elle m'a dit ouais, c'est ça la pute. Il y a une chaîne. Fouillez un peu. Essayez de trouver quelque chose pour la forcer. Ah, une petite biche, quoi, un truc comme ça, quoi, je sais pas, moi. Une cisaille. Tu crois que ça va marcher? C'est bon. Regarde, je vais regarde comment. De mon côté. Bah, je suis enragé, là. Je suis un zombie. Deux. Vas-y. Un. Pousse. Allez, go. Voilà. Toi et moi. Je trouve que moi, je suis baraque. Ah, mon comment pote. Je suis fraîche. Toi, t'es pas fraîche du tout, Roya. Ah, je suis fraîche avec des cheveux courts. T'es rasé avec une tondeuse à gazon, de quoi tu me parles? Trop belle. Au lieu d'aller en ville, comme l'a dit John. Toujours est-il alors qu'une décision a été prise. Sauf que tout le monde n'était pas là. On devrait voter. Pas besoin d'un vote, ça a été décidé. Voilà. Ouais, là, tu choisis, là. Vous avez peur de perdre? Voilà, on va pas se mettre à voter. Je suis désolé, mais on n'a pas le temps de se chamailler. Tu vas rester là avec moi, hein? Ouais. Pas si docile que ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Prince, tu veux que je te quelle là ou quoi? Si vous avez quelque chose à me dire, allez-y. Dirigeons-nous vers la ville. John a raison. C'est en ville qu'on trouvera de l'aide le plus rapidement. Voilà. Satisfaite. Ok, monsieur le prof. Voilà. Quel sale caractère. Allez hop. Tu es ce qu'on appelle une peste, tu le sais. Wouh! Espèce de pute, va. Voilà! Elle m'a dit, t'es pas faite pour moi. Ce n'est pas mon petit ami. N'importe quoi. C'est pas mon petit ami. Oh, qu'est-ce la menteuse. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Voilà. J'ai rien dit du tout. Occupez-vous de vos affaires, ok? Je vais te ken. Tu me kennes pas, hein? Tu te prends beaucoup trop au sérieux. Dieu sait pourquoi. Ouais, t'as le Covid, toi. Ouais, t'as le Covid. Non, elle a le Covid. Wesh. Étranglez-vous. Je me borne à faire de simples observations. Il n'y a rien de mal à ça. Sauf que c'est carrément malsain, alors stop. On est en train de perdre un temps précieux. Il faudrait vraiment qu'on avance. Je crois toujours pas qu'aller en ville soit une super idée. Je vais aller attendre près du bus pendant que vous faites ce que vous avez à faire. Oh, la chouchoute! Tu veux venir attendre avec moi? What? Je suis d'accord avec le prof. What? Le mieux à faire, c'est d'aller en ville et chercher de l'aide. Vas-y, fais un choix. Andrew? Qu'est-ce que t'en penses?
T'attends près du bus avec moi? Oh, je vais te calmer. Je pense que c'est en ville qu'on aura le plus de chance. Quoi? Mais toi, t'es une chaudasse en fait, toi! Toi, tu veux juste Ken! Super! T'es bien une meuf, hein? Allez, Taylor, nous laisse pas tomber. C'est pas une bonne idée d'errer toute seule dans le noir. Viens, tu resterais pas toute seule, voilà. Vous en faites pas pour moi, je chope la première non, voiture. Non, qu'est-ce que tu dis? Viens, on va avec eux! On va pas rester tout seul! Ah, ah la... madame! C'est une blague. Mais salope! Mais elle va où, elle? Mais tu vas pas me laisser tout seul! Putain! Elle est partie normale. Quoi? Mais je suis partie dans l'autre sens! Alors, on a plus envie de faire bande à part, finalement. Pourquoi t'es revenu? Je piche pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle est perdue dans son monde. Tu peux nous dire à quoi tu joues? Tu t'en vas ou pas? Hé, hey, oh, qu'est-ce que tu fabriques? Taylor! Fais gaffe! Wesh! Mais qu'est-ce que tu fous? Tu reviens tout le temps. Je voulais pas revenir. J'ai tracé tout droit à chaque fois. C'est comme... Je sais pas, c'est comme si je c'est pouvais une pas partir. Okay. C'est une boucle! C'est une boucle! Allons-y tous ensemble. On est arrivé de ce côté, on devrait pouvoir repartir par là. J'aimerais que tout le monde reste bien groupé. Et on vas-y, traîne pas. Allez, professeur. On se tient tous par la main, c'est ça? Ferme ta gueule, ah, toi, mère. Elle, voilà, ferme bon, ta gueule, toi. Avec tes blagues éclatées, là. Tu crois que c'est le moment de rigoler ou quoi? Ça se voit, elle est mal baisée, elle. Ah, ça, je sais pas, Roya, faudra lui demander. Hein. Professeur, alors. Regarde, on revient au même endroit, Roya. T'as vu ou pas? On tourne en rond. T'as compris ou pas? Ah ouais. Je dois avouer que c'est assez étrange. Ah bah oui. C'est rien de le dire. C'est pas possible. C'est exactement ce que je vous disais, on est coincés. On peut pas partir. Attends, juste pause. Ils mettent, juste, les gars, le chat. Ils mettent 40 minutes en train de dire la même chose. Ça me rend fou, ces jeunes, pour les zéros de QI, frère. Ça me casse les couilles. Il faut que ça sorte. 40 minutes. Je crois qu'on tournera, mais putain, on tournera, mais comment on fait? Mais ta gueule. Voilà, dealer. Voilà, non mais ça devait sortir. On fait okay. quoi maintenant? Calme-toi, respire. Je respire. Il y a forcément une explication rationnelle. Bah oui. On est peut-être mort dans l'accident. Ouais, belle théorie, mais je suis certain que nous sommes encore bien vivants. Aux dernières nouvelles, vous êtes prof de littérature, pas de métaphysique. Continuez, ouh, ça durera pas. Tout ça, c'est votre faute avec votre sortie à la con. On est coincés dans ce bled paumé. Arrête, tu dis n'importe quoi. Je ne pouvais pas prévoir cet accident de bus. Tu ne vas pas me le reprocher. Non mais, vous vous foutez de nous? Change de ton, tu veux? Ouais, je veux la taper ou quoi? De comprendre ce qui se passe, exactement comme toi et comme les autres. Écoute ce que je dis. Mais y a rien à comprendre, c'est ça que vous pigez ah, pas. Ah, tu fais la rebelle. Ce que je comprends, moi, c'est qu'on n'en serait pas là sans votre voilà. sortie à la con. Exactement. Tu crois que ça m'amuse? Je suis pas plus heureux que toi d'être coincé ici. Super. Si c'est vous le responsable, on n'est pas dans la merde. Pour l'heure, c'est la brume qui est responsable. Tout le monde sauf vous, quoi. Soyez sympa et allez vous perdre dans cette putain de brume. J'aimerais autant que s'il vous plaît, on arrête. Ça sert à rien de se disputer. Oui, je l'ai voulu me gratter. Maintenant, on va où? C'est la merde. On plus de la gueule. On partira jamais d'ici. Si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi, je laisse ma place. C'est peut-être pas réel. Faut qu'on se tire d'ici, maintenant! J'ai besoin de réfléchir. T'es mon frère l'autre, j'ai besoin de réfléchir! Vous pouvez pas tous la fermer! Voilà! C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici! Exactement. Il a raison. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Bravo, nous Einstein! On va travailler ensemble en équipe. Merci! Soyons méthodiques. La brume se trouve entre nous et le bus. Oui. Il n'y en a pas entre nous. Et la ville. Bien vu. Prenons cette direction. Bien vu. Je vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider. Mais toi, mais Prince, tu casses les couilles. Il n'y a rien du tout dans le bus. Moi, j'ai peur, c'est tout. Puisse nous sortir d'affaires. En ville, il y aura des gens, un téléphone, quelque chose. Des sextoys, des trucs comme ça. Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai. Ah. Il n'y a nulle part où on puisse aller, sauf dans cette fichue ville. C'est une bonne idée, je trouve. Tu me laisses toute seule? Oh, mais t'en as pas marre? Taylor, voilà, c'est trop. On va les suivre. Tant qu'on n'en sait pas plus. Faut qu'on reste ensemble. Toi, tu veux juste Ken, hein? What? Tu m'as griffé en plus, hein? C'est moi, ça. D'où vient cette marque? Ah ouais, c'est moi qui t'ai griffé, je crois. Je savais, hein. C'est l'accident. Je t'avais dit que je suis sauvage. Ouais, tu m'as fait un suçon, là. Roya, c'est moi la vieille. Tu joues qui, toi? Moi, je joue ma meuf. Jure? Attends, Prince, c'est moi, je suis derrière toi, là. Mais viens, espèce de salope. Non, arrête, arrête. Qu'on était tous morts. Viens, sale vieille. Tu crois vraiment? Charlotte, t'as des mollets, Roya? Ah non, t'as pas de mollets, en fait, t'as pas de mollets.
Je suis fraîche, hein. Oh, t'es bébé, Roya, attendez. Mais tu roules du cul, mais t'as même pas de cul, Roya, comment tu fais? T'es pas con, je te dépasse. Allez, je vais toucher les fesses de ton mec. Allez, viens là, toi. Eh, viens là, toi. Eh, viens là, je te ken. Eh, viens là. Attends. Voilà. Oh, t'as vu le chat derrière? Ouais, putain. Ouais, je te dégage le cochon, moi. Vas-y, viens, laisse ton mec tranquille, là, viens. Attends. Mais non, mais viens, Roya, viens. Mais tu vas pas aller voir le chat, Roya, mais t'es malade ou quoi, viens. Il faut aller derrière, Roya. Mais prince! Non, je regardais s'il y avait le chat. Mais il est parti, Roya, c'est une cinématique, allez, viens. Viens, vite, faut pas rester derrière. Voilà, que même l'autre, il restait avec moi et tout, il est venu avec moi et tout. Ben oui. Mon mec. Oh, ton mec, Roya. J'avoue, voilà que t'as même pas de cul, wesh. On dirait que t'as mis une couche. Il y a quelqu'un à gauche, mais là, il y avait quelqu'un à gauche. Bon, on attend quoi? J'avoue que t'as couche, toi. J'ai mis une couche. Je suis pas sûr que ce soit une super idée. Il y a quelqu'un dans le truc, là. Il faut aller voir. On pourra peut-être téléphoner. Je vais entrer jeter un coup d'œil. Allez-y. On arrive tout de suite. Oui, bah bien sûr. Comment ça, on arrive tout de suite? Qu'est-ce que t'as bien de beau à faire? Tu me caches quelque chose. T'as dit que j'ai... Oh, tu t'embrouilles. Comme si c'était une idée ridicule. Oh, t'es sérieux, là? J'espère qu'il y a un téléphone là-dedans. On est tous un petit peu sur les nerfs. On ferait mieux de se poser un moment, non? Je suis quoi alors, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr d'avoir déjà vu ça quelque part. Il a déjà vu ça quelque part? Curiosité. Bah, où ça? Allez. Où ça? Rien d'inhabituel. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu es tout pâle. Je suis un peu inquiet. C'est peut-être. Évanoui pendant un moment. Que tu préfères les femmes. Mais arrête de t'embrouiller avec ton mec derrière! Je sais pas. Ah, mais attends, mais frérot, c'est un embrouille là. Je sens encore un peu bizarre. Nique-le. Bon, les grands chocs, ça peut brouiller. Là, je crois qu'il est amoureux de la vieille. Ça finira sans doute par te revenir. Il veut sauter la granit. Il veut qu'elle lui explique le Vietnam, tout ça, ce bâtard. Ah ouais. Attends, regarde ce qui se passe, regarde. T'as pas vu ce qu'il y avait dedans? Tout va bien. Non? Il y a une meuf qui est pas si seins nus, elle courait dans le truc. Ah ouais, ça invite pas bibi. Attends, venez rentre. T'as une tête de fou là. Laissez-moi rentrer. Le chat, sûr. Non. Ouh ah. Mais voilà, il m'a fait peur, je m'attendais pas à un truc comme ça. Mais même moi. Quoi? Et quand on arrive en ville... Allez, excusez-moi. Excusez-nous. On s'est perdu, on a fait un accident, notre bus. Non, vraiment, je suis en train de boire mon alcool. Ouais, mais monsieur, tranquille. On est là, vous inquiétez pas. Comme ça, vous êtes pas seul. Non, prenez place. Bonsoir. Ok, très bien, salut. Vous allez bien? Qu'est-ce que t'as de là? T'es en train de boire. Tu es là en train de me casser le cou. Cherchons le chauffeur de notre bus. Vas-y. Hein? Vous l'avez vu? Attends. Il a l'air paumé. Ouais, très marrant. What? Pardon? Qu'est-ce que c'est que toute cette brume? C'est bizarre. Non, j'ai pété, ouais, j'ai des gaz! De poids, ce ouais, mais ça la météo! Il est idiot! Ouais, je connais ça aussi. Ça se voit, il a fait Vietnam, lui, regarde. Alors vous êtes. Désolé de faire irruption comme ça. Nous avons eu un accident de bus quelque pas d'ici sur la route. On est encore un peu. Voilà, on écoute Prince derrière, écoutez! C'est le moins qu'on puisse dire. Moi c'est Vince. Salut, Vince. Il faut un miroir. J'en couvrerai peut-être. Alors va te tranquille, y'a pas va te tranquille. Vous avez besoin de leur montant. Tu veux pas courir derrière moi? Excuse-moi, m'en bats les couilles. Merci, mais ça ira. Voilà, dis-lui, voilà. Je vous laisse là au cas où. M'en bats les couilles. Je pas ta chienne, moi. J'ai les hommes. J'ai des sales chiens. Sans façon. Ton polo, là. Vous faites quoi ici? Voilà, il a dit une petite partie, voilà, je peux jouer avec lui maintenant. Mais vas-y, nique ta race, toi aussi, c'est une faible, voilà. Je m'embrouille avec lui après, il me dit une petite partie. Cette ville semble complètement déserte. Little Hope ressemble à... Attends, je dis... une ville fantôme. Cette brume... Pour voir viser, je suis en train de jouer, voilà. Mais certains restent à la traîne. Il y a un téléphone ou pas, Roya? Ah bah, je suis en train de jouer, moi. On cherche un moyen de joindre quelqu'un, Alex. Tu veux me baiser? Il y a un téléphone. Mais il marche plus depuis longtemps. Mais il joue derrière et tout, quel. Mais il veut me baiser. Mais non. Mais si. Mais qu'est-ce qu'il a ce type?
Pour moi, un truc qui tourne pas rond. Il vous entend. Hein, bah, il a bu, mais il a pas l'air dangereux. Jetons un œil. On devrait trouver quelque chose d'utile ici. On joue plus aux fléchettes, alors. C'est ça, cherchez bien. Tu te fiches de moi et je veux que tu me prennes au sérieux. Wesh, il est bizarre. Ouais, il est bizarre, le mec. Mais moi aussi, il est bizarre. Ah, je suis long. Mais ça va, toi? Pardon, je te laisse tranquille. Mais... C'est pas du tout ce que je dis. Attends, je suis en train juste, de... te fiche pas de moi. Mais regarde, tu joues aux fléchettes. On est dans une... Attends, juste. On vient de faire un accident. Truc de fou, on est paumé, on comprend pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues aux fléchettes. Mais arrête. C'est lui. J'étais en train de l'embrouiller. Il m'a dit, viens, on joue aux fléchettes. C'est bon, je me mets devant, Ah, je peux pas me mettre devant, putain. Bah écoute, moi je vais chercher. Et le groupe nous aide pas vraiment. Je trouve un téléphone, croyant. Tourne pas autour du pot. On l'appelle. Voilà, c'est du jamais vu. Voilà, la meuf elle joue aux fléchettes. Ah, y a pas de tonalité. Prince, y a pas de tonalité, croyant. Attends, tu comptes là, elle me saoule. Il est resté 5 secondes au téléphone pour comprendre qu'il y a pas de tonalité. Je pense pas qu'elle soit méchante. C'est très grave. Je croyais que je pouvais compter sur toi. Il est dans son monde à lui. Un jeu de fléchettes. Quoi? Tu veux pas jouer toi aussi, ouais? T'es plutôt bon dans ma jeunesse. Ah, le corps, tu elle joues pas. Elle est difficile à battre. Non. Ah ouais, je vais te dégonfler. Je vais Restez, te démolir. Jouez un peu, pas de soucis. Je vais aller faire un petit tour. Voilà. Vas-y, joue aux fléchettes, toi. Mais c'est quoi ce jeu, wesh? Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de jouer aux fléchettes? Mais je m'en bats les couilles. Et puis on réfléchira à un moyen de s'échapper d'ici. Tenter de faire un gros double je ou... Je connais les règles, Daniel. Je vais tenter le double 20. Un double 20, c'est au milieu. Ok. Quoi? C'est ici? Ok, c'est pas mal tout ça. Prince a trouvé prospectus occulte. Maintenant, ouais. Le triple vos enfants s'intéressent à l'astrologie. Ah non, c'est le triple 20 qui est au milieu. Le référent Carson considérera les parents en point aussi de repérer. Hey, ça mérite une médaille d'or après voilà. La soirée qu'on a eue. Voilà. C'est dommage, y a pas de fléchette au JO. Regarde, je suis bon fléchette, hein. Vous êtes un vrai tireur d'élite. Eh ouais, mon pote, on est là. Vous faites mieux que Taylor. Eh, hey, j'ai fait mieux que toi, croyant. Qu'est-ce qui nous amène ici? Tu vois là? T'es éclaté. Ouais, parce que lui, il a le seum. T'es éclaté, croyant. Il dit non. Attends, on a trouvé quoi? Vote pour la désincorporation nouvelle vague de saisie signe la fin de la ville. Ici. Ouais, la ville, en fait, elle... ont été fermées. En fait, les usines sont fermées, croyant, donc c'est une ville fantôme. Ah, c'est toi, ça. Quittons cet endroit et... Et? C'est quoi, ça? C'est une église. J'ai clairement entendu quelque chose. Vous aussi, vous avez entendu? Sortons. Quoi que ce soit, ça venait de dehors. Vous êtes sûr que vous voulez retourner dehors? On ne trouvera rien ici. Il faut qu'on avance. D'accord. Bonne chance à vous. Comment ça, bonne chance? J'espère que vous trouverez votre bonheur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. The Black Cat The Bar. Black Cat. Ah, le chat noir! Celui-là qu'on a croisé tout à l'heure, celui du patron, croyant. Mais quoi, on vient de la ville. On a rien trouvé. Hein. Il vient de fermer à clé, ce vieux taré. Trop bizarre, le papy. Il avait clairement un souci. Qui viendrait dans ce taudis juste pour se la coller? J'ai pas juste compris. Juste pour se la coller, quoi. Bah, il boit, quoi. Oh, t'es Andrew. Je suis toujours la vieille, moi. On n'a pas d'autre choix que d'aller à Little Hope. C'est toi, là, prince. Ouais, là, c'est moi. Salam, ça va ou quoi? T'es un pote. Ouais, enfin, madame. Vas-y, avance, oui. Tranquille, vas-y. On trouvera un moyen. Je rate ton cul. La manière dont cette brume s'est formée. C'est pas normal. Tu fais quoi là? Pourquoi tu zigzags là? Mais pourquoi t'as aussi tu zigzags? Mais parce que je te suis, mon frère. Oh, viens, viens, viens. Ah, vas-y. Oh, c'est une poupée voudou, c'est quoi? C'est un piège? Ouais, ah, c'est une dirait, patte. Hein. On dirait une patte. Oh, c'est là là. On dirait une espèce de totem. C'est un totem, ouais. Comme une mise en garde. C'est vrai. Un symbole lié à des croyances. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas rassurant. Non, là, c'est pas rassurant, là. Regarde, t'es mort, on dirait toi. C'est intriguant, plutôt. Il est tout mince. Oh là, on dirait Prince, c'est un totem. Wesh. J'en ai assez entendu, merci. Oh, t'as vu ou pas derrière? Quelqu'un courait? Mais ouais, mais il y avait une petite fille qui courait derrière. Oh, j'ai pas vu, putain. T'as pas vu? Elle était en rouge. Vous êtes superstitieuse? Allons rattraper. Elle t'a mis en rouge. Regarde, elle est passée ici, regarde. Regarde là où je suis. Elle était passée comme ça, ici elle faisait un petit... Elle faisait un jogging au calme. C'était une petite fille. Oh ouais... What? Ah ah ah. Putain... C'était elle, c'était elle, c'était elle. C'était ouais, elle, c'était elle. Vas-y, vas-y, c'est bon, viens.
bien sa grand-mère la chienne. C'était elle qui faisait un jogging. Angela ? Andrew ? Ils sont où ? On est là ! J'étais en train de la démonter ! Non, non. Ne vous inquiétez vous pas ! Je m'en ai rien démonté du tout. On s'inquiète. Oh ! Viens, viens, n'aie pas peur, n'aie pas peur, viens, viens. Viens, porte tes couilles, porte tes couilles. Vous pouvez venir voir. Bah vas-y, viens, viens, viens regarder ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé. Y'a quoi ? Y'a rien, frérot. Je viens de voir quelqu'un dans les bois. Si, ah si. Ouais ? Peut-être le chauffeur de bus, hein ? Allez, c'était le chauffeur, tu crois ? Oui. C'était le chauffeur ou pas ? Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un. Sûr à 100%. Ok, qu'est-ce que t'as vu ? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu as vu ? C'est une enfant. T'as du ping ou quoi, toi ? Non. Une enfant ? Une enfant. Voilà, et là c'est un tour. Là, tu te paies vraiment ma tête. Tu te fous de ma gueule. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu, hein. On va retrouver les autres, d'accord ? Mais les autres, ils sont où, croyants ? Venez, vous deux. On doit rester proches. Hé ! C'est quoi derrière nous, là ? Je sais pas ce que c'était, ça, croyant. Attends, mais attends, je deviens fou, là, ou quoi ? C'était quoi ? Cours, 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 cours. Vous avez entendu ? Oui, mais faut courir, là. Courez, 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 courez. Courez, courez. Courez ! Ok, c'est gagné. On a comment peur. Ça comment ça, on a peur ? Mais cours ! Mais qui est là ? Qui que vous soyez, ça n'a rien d'amusant. John, où êtes-vous ? Daniel, t'es là ? Allez, John, où êtes-vous ? Je trouve pas ça drôle. Oh ! Mais attends, mais c'est des malades ou quoi ? Comment ça ? Qui est peur ? Sortez de là ! Mais casse-toi, wesh! Vas-y, viens, viens. J'accélère, j'accélère, j'accélère. Vas-y, vas-y. Wow, là, j'accélère, je pousse la troisième, là. Ça vas-y, va, vas-y. Oh, t'attends. Vas-y, John, j'arrive. Vous êtes là? Ouais. Qui est là? Mais tu vas toute seule, là, tu vas te rattraper, croyant. Ça ne nous amuse pas du tout. Attends, j'examine des pierres, des pierres, moi, des pierres. J'irai. Viens voir ce que t'as j'ai trouvé. T'as vu, on se promenons, nous, dans les bois. Pendant que le loup n'y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Loup, que fais-tu ? Entends-tu ? Où es-tu ? Je mets ma culotte. Hein ? Attention, il y a une poupée, regarde. Ouais, je la ramasse. Je la retourne au calme, je m'en bats les couilles. What ? Je trouve un secret. Attends, poupée. Fabriquée à la main, elle a été abîmée. Super, merci beaucoup. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? Mais qui fabrique ce genre de poupée, ce monstre ? Je sais pas, Roya. Je ne sais pas trop. Laissez-moi regarder plus près. Non, mais touche pas à ça, Roya. Oh, mais faut même pas toucher. What ? Elle est là ? Tu l'as vu ? Ouais, mais c'est quoi ce jeu ? Qui êtes-vous, monsieur ? Elle m'a fait flipper ! Casse les couilles ! Et casse les couilles! Fais un choix! Qui es-tu? Elle rigole en plus! Pardon? Eh, hey, c'est Bigfoot! Nom, madame? C'est Bigfoot! Tu te rappelles ou pas, Prince? La petite, c'est Bigfoot! Oh, j'ai là. Ouais? Je me nomme Marie. C'est faux! Je l'ai conçue de mes propres mains. Oh non, elle fait peur! Elle ressemble à celle que vous avez? Voulez-vous bien jouer avec moi ? Laisse-moi tranquille ! Espèce de... Venez jouer ! Non ! Non, non ! Venez oh là là ! Oh là là ! Joues-tu encore, Marie ? Je ne joue aucun tour. Tiens ta langue ! Je vois clair dans ton jeu, Marie. Le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon. What the fuck ? Rémi, ne t'en vas pas. Voilà. Il y a des gens là-bas, près du feu. Quoi ? What ? Je ne vois aucun feu. On a eu des visions, croyant. Ah. On a eu des flashbacks. Je les ai vus aussi. Est-ce que ça va ? Ils vont jamais nous croire. Croyant, ils vont jamais nous croire. Cet endroit n'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant c'est fini. Une petite fille est apparue, viens on leur raconte. Une petite fille a fait irruption dans la ils vont grande. Pas nous croire. Et l'instant d'après, elle avait disparu. C'est pas grave, on leur dit la vérité. Peut-être que la brume perturbe vos sens. On est tous à cran. C'est ça, à cran, oui. J'ai vu une fillette danser juste là, comme je vous vois. La petite a dit qu'elle s'appelait Marie. C'était la même que la fille dans mes rêves, mais...
Elle avait une drôle de façon de parler, comme dans un film d'époque. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Oh, mais dans quoi on s'est embarqué, là? On est dans la merde, hein. Cette gosse, Marie, elle voulait te faire du mal? T'as vu les marques que t'as? Non. Ouais, j'ai vu. Je crois pas qu'elle voulait me blesser. J'ai dit qu'elle voulait pas nous faire du mal. Non, elle voulait plus qu'à suivre la route jusqu'à la ville. Vous déconnez. Tu as une meilleure idée? Voilà, belle. Voilà. Voilà, voilà, ferme ta gueule, ça veut dire. Roya, maintenant, toi et moi, on a un secret, d'accord? On est liés? On est liés, Roya, par ce secret, bordel de merde. What? Il est là, lui? Oh non, putain. Il va encore nous faire un speech. Oh putain. Eh bien, voilà qui commence plutôt fort, dites-moi. Ouais, ça va, ouais. Tout ce que chacun fait ou ne fait pas dans sa vie finira toujours par le rattraper. Retournez sur place. Tentez de dissiper la brume. Bah, arrête de me parler alors. Trouvez le chauffeur de bus. Oui, il nous casse la tête lui à chaque fois. C'est grave. Là, il les envoie comme ses petits en plus, ce bâtard. Cette petite fille parlait bizarrement. C'était presque surréaliste. Oh, c'est toi, John. Ne parlait pas comme les autres enfants de son âge. Je dirais même que sa manière de parler... Putain, j'ai toujours la vieille, croyant. Ce n'est pas commun. Viens, ramène-toi, viens. C'est là. Oh putain, c'est le professeur. Voilà, ça va quoi? Eh, t'as pris du poids, Roya, ça a été que la prise voilà, de masse. Là, ouais, alhamdoulilah, ça va. Hein. Allez, venez. Venez les enculés, là. Arrête. Venez. Il y a une voiture, Roya. Regarde, il y a les clés. J'ai trouvé... Oh, j'ai une vision. Oh, Roya, je pourrais pas te dire ce que j'ai vu. Oh, j'ai vu du sale. Ah ouais? Ah, j'ai vu du sale. Roya, tu vas mourir. Mais non. Je te jure. Tiens, je te la donne. Vas-y, regarde. Alors? Mais ça, c'est le chauffeur, ça? Non, non, c'est toi, c'est toi. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, non, c'est pas moi, je la pose. C'est le chauffeur de bus? Ouais, je pense. Oh! Vous attendez? Viens, il y a du bruit. Prince, il y a du bruit. Ça ouais, j'arrive. Doit être une petite bestiole. Nocturne. Mais toi, tu la vois. Pas de quoi s'inquiéter. Oh ouais, espérons. Roya, j'entends des trucs. J'entends des trucs. On dirait il y a un cochon qui a faim. Mais putain de merde, mais c'est rien. Stresse pas. T'as mais peur quoi, quand même hein. Et toi, tu crois que ça me t'as pas peur? Bah j'étais surpris. On verrait peut-être mieux de là-haut. Moi aussi. Il va où lui? Viens, on le suit. Prince. Mais Prince, viens wesh. J'ai peur. Mais t'as dit que t'avais pas peur. Ghost Town of the Northeast. Little Hope, la ville rendue à la nature. Dans l'imaginaire collectif, ville fantôme. On a compris que c'est une ville fantôme que les usines ont fermée, on a compris ça. Pourquoi est-ce qu'ils nous mettent 4 milliards d'indices pour nous faire comprendre la même chose? On a compris! Comment tu te sens? Ah voilà. J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Qu'est-ce qui nous est arrivé d'après vous? Oh là là. Viens derrière nous. Viens à côté de nous. T'es moi, prince, il est derrière. Viens derrière moi. T'es moi, il passe à gauche, à droite. Vas-y, continue à faire des. Wow, tu fais peur. En danger. Vas-y, continue. Sur la gauche, sur la gauche. Ouais, c'est clair. Voilà. T'as pas le prince derrière moi. J'ai posé au calme. Là, je peux pas vous écouter. Deux, il est passé d'où? Salam, ça va ou quoi? Ça va? Ouais. On va trouver un moyen. Tu vas bien? Tu vas bien? Ok, vous voulez pas parler avec moi? Mais je peux revenir. On arrive. C'est bon. Allez, on y va. Je sais pas de quoi vous parlez là, mais... comme ça dans la vraie vie, comme ça. Oh, Prince, tu le vois ou pas? Non. T'as pas vu ce que je vois? Non. Roya, je viens de voir un truc, Roya, dans les marécages, viens, on bouge. Une meuf, Roya, à poil, seins nus, avec un gros string, mais avec une chevelure bizarre. Bah, viens, on y va. Ah non, Roya, je suis pas chaud. On va où, là? Tu vas tout droit. On va à la maison. Bah, tu suis la route, hein, Roya, j'en sais rien, moi. Bah non, mais c'est de l'autre côté, alors. Mais non, c'est par là. Mais non, c'est tout droit. La maison elle est là. Hein? C'est pas la maison de tout à l'heure ça? Non, ouais, vas-y, rien. Ah, tu me fais peur, Roya. Ah, c'est notre maison ça. Regarde, il y a une maison à droite là, abandonnée. Il y a du bruit, il y a trop de bruit dans la forêt. Hein. C'est grave. Ah, mais c'est normal, il y a des animaux. Oh là, il fait vraiment noir là. Il fait trop noir. Ah ouais. Là. Ouais, moi je vois rien. Ah, c'est plus noir que. Tu vois ce que je vois ou pas? Prince, devant moi, il y a une petite. La petite est là, viens. Elle est cachée ici la petite. Elle était à gauche, à ma gauche. Oh là là, il y a des petites.
Là, on va à gauche ou on continue à droite? Non, non. C'est quoi ça, putain? Mais tout le temps on marche, bordel de merde. Mais y'a même pas de Uber, y'a un pont avec plein de lumière, reviens. Oh, mais c'est bon, c'est là-bas. Vas-y, viens, c'est là-bas où il y avait le shérif, où on est passé avec le... Ah, Shadow! Y'a quelque chose devant! Y'a quoi? Bah, un tunnel. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Y'a rien devant. On appelle ça un pont? Par où? On peut y aller. Mais y'a que des teubés dans... C'est pas possible dans l'équipe. Je suis d'accord. Y'a que des teubés dans l'équipe. What? Regardez! Hey. T'as vu? Non! Oui. Stop! Désolé de dire ça, mais c'est exactement ce qu'on voit dans les films d'horreur. Oh! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vas-y, qu'est-ce qu'on fait, Prince? Vas-y! Non, c'est rien. Allez, vas-y, vas-y! Je m'en charge! Quoi? Je m'en occupe. C'était soit faire demi-tour, soit je m'en occupe. Ah ouais, tu fais le bonhomme, Zama. Les hommes. Ok. Les vrais Rachel. Les hommes. Vas-y, on va voir, on va voir. Soutiens. Vas-y, je te soutiens, Khoya. Merci. Non, je viens avec vous. Je viens avec toi, Khoya. Vas-y, viens. Ah, t'as pas dit non, hein? Non, mais elle, j'ai envie qu'elle meure. Quoi? Waouh. Hé hey, vous deux. Oh, j'ai pas peur, j'ai pas peur. C'est pas vrai. J'ai pas peur, regarde. Ah, vas-y, bon. Affrontez la fille. Viens, on va l'affronter, viens, viens. Vas-y, viens. Va la première. Non, toi. What the fuck? Non, toi, vas-y, toi. Hein. Mais t'as dit que tu voulais y aller, quoi. Vas-y, ouais, vas-y, je mets... Ah, merde, putain. Allez, va tout seul. Non, toi, vas-y, wesh. Non. Oh, oh. Y'a quelqu'un? Ah, voilà, carrette, ouais. C'est un concert de David Guetta ou quoi là? C'est quoi ça? Ah hey, qu'est-ce que... C'est la joie! Tu me crois maintenant? Tu me crois, regarde! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais qui êtes-vous, ouais? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Nous vivons des heures sombres. Non! Restez! Reculez! Qui êtes-vous? T'es qui? Mais qui diable êtes-vous? Que voulez-vous? Ce n'est pas possible. Un langage empli d'énigmes. Je ne succomberai pas au sort d'une sorcière. What? Non? Seigneur, je vous en prie, débarrassez-moi de ces fantômes! Mais on est là! Mais où sommes-nous? Qu'avez-vous fait? Que le diable vous emporte, vermine païenne! Ferme ta gueule, wesh! Par contre, j'ai pas trop aimé qu'elle a dit vermine païenne. Et bah, moi, vermine païenne. J'ai trouvé ça déplacé. Regarde, au moins on a affronté la fille. Plus très loin maintenant. Voilà. Et c'est là qu'on pourra trouver de l'aide. Eh ouais. Vous allez bien? J'ai vu mon double, au calme. Ouais, c'est vrai que c'est. Non, elle ressemblait. Pas bien du tout. C'est la meuf, elle lui ressemblait de ouf. Je suis perdue. Je viens de voir mon propre double dans la brume. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a surgi de la brume, habillée comme dans l'ancienne Salem. Elle parlait d'une manière étrange comme dans les vieux films. Et encore plus dérangeant, c'était mon portrait craché. C'est vrai qu'elle ressemblait trop. Et comment c'est possible? Je crois que vous exagérez un peu, Angela. C'est bon, j'en ai marre. On dirait que la brume ne nous laissera aller nulle part, excepté dans le centre de la ville. Alors c'est la brume qui décide où on va maintenant? Exactement. J'en ai rien à foutre. Je trouverai un autre chemin. Bah casse-toi alors. Dis-lui de se barrer. Non, non. Si. Vous n'avez jamais vu de film d'horreur? Il ne faut surtout pas se séparer. Les films d'horreur, c'est naze. Je vais partir de ce côté et sans vous. C'est peut-être pas une bonne idée de se séparer. Va, vas-y, fais-toi plaisir. Y'a pas moyen que j'aille par là. Y'a pas moyen, Dja. Allez, va de l'autre côté. Je suis d'accord avec Andrew. Taylor, Andrew a raison. La ville n'est pas loin. On devrait y aller ensemble. Lâche-nous, mamie, on t'a pas sonné. Quoi? Ok, temps mort. On doit tous se calmer. Et réfléchir à la meilleure option. On explorera plus de pistes si on se sépare.
Je vais suivre Taylor. Théma, ce vieux cutard. Ce serait trop dangereux pour toi de traîner toute seule. À deux équipes, on a plus de chances de s'en sortir. Et c'est ce qu'on veut tous, non? Tu as raison. Mais Théma, vous arrivez à passer la brume et trouver de l'aide. Envoyez-les vers nous, vers la ville. Je suis sûr que nous trouverons de l'aide avant les autres. Putain! Le moment qu'on en trouve, c'est tout ce qui compte. T'es qui? Ah, t'es Daniel! Ah, on est séparés. Toi, t'es le mec, toi, avec la meuf. Putain. Moi, je suis Andrew. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, Ken, là. Ce bruit. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. On a trouvé une école. Merci. Roy, il y avait un mec qui faisait du vélo. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. C'était seulement le vieux type du bar sur son vélo. C'était le mec du bar. Ça t'édivrait. Il faisait du vélo normal sur le pont. Je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen plus facile de regagner la route. Putain, mais... Allons-y. Maintenant, je dois faire demi-tour, frère. Il regrette d'être venu, lui. Vous sauriez expliquer. Voilà, mais c'est ce quoi, qu'on a ça vu. Pas de façon logique. Je suis en train de longer, Roy, à la berge. C'est qu'il y a eu des procès de sorcières. Je suis le long des marécages et tout, moi. Comment ça? Je suis dans la merde. Je trouvais une maison, Roy. Ouais, moi, je suis avec la petite fille. Il y a du bruit dans une maison, abandonnée. Ah, je le sens pas. C'est... Ah, attendez. Mais quoi? Mais il est parti en courant. Mais Roya, je... Oh non. Roya, faut que je réussisse mes trucs. C'est un chat! C'est le chat noir, Roya! C'est ça qui était dans la cabane! Un problème? Quelque chose a bougé là-dedans. Bah, c'était un chat, quoi. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Je veux juste jeter un coup d'œil. John, il est parti en courant. C'est une violation de propriété. Vous allez me dénoncer? De toute façon. Roya? Y'a personne. John, il a entendu un bruit, il est parti en courant. Dis voilà. Mais voilà, il est parti en courant, ce chien! J'ai trouvé un truc de rituel magique, je sais pas quoi. Ah, c'est bien ça. Comment ça, c'est bien? Starfallah, ils prennent des cheveux et tout. Pratique de Starfallah. Ils font du sahur, c'est des Marocains, je crois, regarde. Je suis dans une maison. Ils ont fait du sale. Hein. Ah, ils ont fait clairement du sale. Regarde, moi j'ai vu la fille. Un prêtre. Ah, j'ai trouvé un truc de poker. Oh, un flingue! J'ai trouvé un flingue, regarde. Voilà! Eh ouais, ma pote! Rac, pac, rac, bang, bang! Ouais. Oh, il manque deux balles. Il manque deux balles, Roya. J'ai quatre cartouches. C'est déjà pas mal. Sympa, hein. Tu as fini de fouiner partout? Il a pas déclaré. Je dis pas que j'ai trouvé une arme. On ferait mieux de rattraper le prof. Si seulement ses cours étaient aussi dynamiques. Roya, j'ai vu la vieille. C'est la vieille qui va mourir. Non. La vie, elle va mourir, Roya. Chah! Quel dommage. Andrew! Hé! Ah, j'ai retrouvé John, Roya. Vous voilà. Ouais, bah ça va. Vous avez encore paniqué. Soutien, allez, c'est pas grave, on le soutient. Vous parlez d'une frayeur. On le soutient. Désolé de m'être enfui comme ça. Je suis plus tendu. Mais quelle chauchotte! Voilà, il est parti, il y a d'une vitesse. Merci de m'avoir attrapé. Tu as vu cette chose là-dedans? Ouais, pas d'inquiétude, t'inquiète, Roya. Rassurez-vous. C'était rien du tout. Tu veux me rassurer? What the fuck? Où est-ce que je vais? Pour qui tu me prends? Un collégien? C'est vrai. Remettez-vous de vos émotions. Ils sont jamais contents, les gens, là. Ça me dégoûte. Roya, je suis un commissariat? Little Hope Police Department? Ah, vous êtes bien, vous. On ne pouvait pas rêver mieux. Ouais, mais il est abandonné. Hein. Il y aura bien une radio ou un téléphone qui marche. Peut-être même notre chauffeur. Regarde si tu trouves de quoi casser la vitre, tu veux? Casser la vitre?
Je vais rentrer dans un truc. Je vais dégommer le royaume de vitre. Donne-moi ça. Je vais casser la vitre. Ça ira. Je m'en occupe. Bon, voilà. Bien. Comme tu le sens. C'est un jeu d'enfant. Détrompe-toi. Lancer une pierre dans une vitre à moins de 10 mètres, n'importe qui peut y arriver. Si tu te sens sous pression, laisse faire quelqu'un d'autre. Mais je suis pas sous pression. Mais ils vont débattre. Vous pouvez vous taire. Vous pourriez abréger un peu. Le temps que vous vous décidiez, le cadre aura pourri et la vitre sera tombée toute seule. Mais Roya, ils débattent sur une vitre. Ça me fume. En plein dans le mille. Voilà. Tu pourrais faire carrière dans le baseball. Mais il est schizo, le prof. Une équipe serait assez bonne pour moi. Voilà, on enjambe, au calme. Prince et Daniel. Bah oui, il est toujours Daniel, bah oui. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, on va jeter un coup d'œil, ouais. Jetons un coup d'œil. Voyons ce qu'on peut trouver. Voilà. Et voilà. Nous aurons quitté Little Hope avant que les autres n'arrivent à sortir du bois. Un problème? Ouais, cet endroit me rappelle vaguement quelque chose. Aurais-tu un sombre passé de criminel que nous ignorons? Pour vol de cookies? Ah, mais il est drôle. Les boss de police des petites villes se ressemblent tous. Hé, hey, par ici, j'ai quelque chose. On est peut-être sauvés. Y a pas de tonalité, bah bien sûr. C'est coupé. Tu fais quoi, ta prince? Je rentre dans une maison là, c'est dans le noir, ouais, j'ai trop peur dans un hangar. T'inquiète, ça va bien. J'ai trop peur. Wow. Hey. On va se calmer. Vous pouvez pas arrêter de réagir comme un enfant gâté. Je suis avec des dingues. Regardez, c'est même pas branché. Voilà, je suis avec des dingues. Il doit y avoir un câble quelque part. Mais c'est vraiment des dialogues de mongols. Ça me fume. C'est un truc de ouf. Le mec, il pète un câble parce qu'il n'y a pas de tonalité. Mais frérot... What? Qu'est-ce que c'est? Ça sonne. Vas-y, réponds. Qu'est-ce que t'en dis? On répond? Ouais, je m'en occupe, t'inquiète. Je vais bien le faire. Sois prudent. Ça ira. Réponds, ça va couper, là! Salam alaikum, bonjour! Je ne devrais pas être ici. Qu'est-ce que tu entends? Une femme. Elle a l'air bouleversée. Tu dois tenter de calmer cette personne. Tu n'obtiendras rien si elle est hystérique. Tout le monde à Little Hope ne veut pas voir la... Quel est votre problème, madame? Allez. Vous pouvez me dire quel est votre problème? Votre aventure nocturne dans les bois. Je marchais et un homme et une femme ont surgi. Ta pute, ça m'a fait trop peur. J'ai été prise de peur car je ne les avais pas vu approcher. Tout ok, apaisement. Je suis là pour vous aider. Ok, pas de panique. Je vous aiderai à vous en sortir si je peux. Mais dites-moi votre nom. Je suis accusée de... Elle fait peur. Mais elle est malade, elle. Oh, il y a Bigfoot. Approche, petite. J'aimerais te parler. Garde-toi de révéler notre secret. Ou c'est l'éternelle damnation qui t'attendra. Révérend. Nous avons un accord, tu te rappelles? Je ne tiendrai aucun vil propos. Si tu dis un mot, ou oh, mais elle fait peur. Un mot sur le reste, alors je me présenterai au cœur d'une affreuse nuit noire, avec une sanction qui te fera trembler. Allons, révérend, l'heure est venue. Ne tardons pas davantage. Retourne près des tiens. J'en conjure cette cour, ainsi que le juge Wyman. Ne soyez pas dupes des protestations de l'accusé. La tromperie est l'apanage du diable. Tous ces suppôts feignent l'innocence. Ils n'ont pas d'autre choix. Je jure solennellement devant Dieu que je suis innocente de toutes les choses dont on me plus un mot, Amy. Attends, il a pas le visage, le mec. Que pouvons faire? Silence. Nous devons rester discrets. Laissez faire. Et voir ce qui se passe. Sauf votre respect, révérend. Je doute fortement qu'aucun de mes voisins
qui me connaissent si bien témoignent contre moi. Ils savent qui je suis et que ma foi est bien placée. Vous ne me prendrez point dans la toile de bronze. Elle a accusé de sorcellerie, en fait. Le démon se dissimule là où on l'attend le moins. Mon épouse ne sert pas le diable, révérend. Oui, c'est John. Que la cour me pardonne. Mais je maintiens mes propos. Ma femme Amy est innocente. Je demande humblement à la cour de ne point prêter garde aux paroles d'un homme dont le foyer est imprégné de l'odeur du soufre. Confronté. Je suis un bonhomme. Approchez, approchez. J'approche à... John, je vais aller voir John. J'ai les os qui se glacent. Quel est donc ce sort diabolique? Le regard malfaisant de la bête est sur nous. Son suppôt est dans nos rangs. Qu'est-ce que... Ne mêle pas de ça. Les preuves présentées contre moi ne sont rien de plus que des affabulations. Si les forces du mal sont parmi nous, je brandirai... Non! Marie? Marie, ma sœur, que t'arrive-t-il? Qu'avez-vous fait à l'enfant? Vous avez jeté une âme innocente dans les griffes du diable. Nul doute qu'elle est possédée. C'est votre faute! Révérend Carver, quelle rancune avez-vous contre moi? Nous en aurons le cœur houlette. Amy, posez la main sur Marie. Voyons ce qui arrive. Si j'ai vu juste, le contact la libérera de ce mal. Nous saurons alors que vous l'aviez ensorcelée. Oh, le bâtard, c'est une mise en scène! Je vais pas supporter ça. Il a passé un accord avec la petite! Ouais, c'est bien. Ils sont là parmi nous! Ils sont là parmi nous! Belle actrice. Non. Vous faut-il Croya, d'autres vont prendre la vieille que le démon est parmi attends. Nous. Priez pour vous. Le diable est avec nous entre ces murs. La salope. Implorez Dieu. Je savais. Bon sang, c'était quoi ça? C'était réel? Les procès de sorcières, c'était pas il y a des siècles? La plupart a eu lieu il y a plus de 300 ans. Alors pourquoi on vient d'en voir un? Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune explication. Ouais, je suis toujours au comico. Mais j'ai assisté moi, à un... Moi, toujours pareil. J'ai assisté à un tribunal de sorcières. Quand la petite fille a fait cette espèce ouais, de bah, crise... Ouais, moi, la vieille, elle s'est fait prendre. Enfin, ouais, pareil, qu'est-ce ouais. qui s'est passé, d'après toi? Tu es venu la chercher? Ouais, ouais. Cette fillette que j'ai vue dans les bas. Tu vois, c'est la fillette que j'ai vue dans les bois, ouais. Je la connais, cette petite fille. C'est celle qu'on avait vue avec Angela dans les bois. Cette femme, mon sosie, qu'est-ce qu'elle encourt si elle au est bûcher, frérot, va au bûcher. Les sentences des femmes jugées coupables de sorcellerie et de l'aube étaient très dures. Elles mouraient violemment, noyées, pendues, okay. brûlées. On doit, aller, on doit vous rattraper. Qu'elle soit ou ait été innocentée. Les accusations étaient souvent perfides, lancées pour régler un compte. Ou par pure méchanceté. Comme cette petite fille, qui prend visiblement un malin plaisir à envenimer toute sa communauté. Je suis d'accord. La petite savait exactement ce qu'elle faisait, quand elle a mis la deuxième Angela dans la merde. Cette femme, mon sosie, elle était choquée, presque traumatisée même. Oui. C'était dur de la voir comme ça. Son mari vous ressemblait, c'est vrai, hein? J'arrive à la quelque chose d'autre. Ouais. Son mari... Il vous ressemblait, professeur. Ouais, de fou. Oh, c'est toi qui toque? Ouais. C'est qui? Hé, hey, professeur! On arrive. Vous êtes là? Allez, on y va. Hé, hey, Taylor! On est là! On est là! On n'arrive pas à ouvrir les portes! Ah ouais, la porte est fermée, croyant. Ici non plus! C'est verrouillé. Ça doit être verrouillé. Oh non. On va essayer de forcer la poignée ensemble. Dans 3, 2, 2 1... Allez, vas-y! C'est bon! Ah, c'est bon! Salam! Ça va, j'ai réussi. Taylor. Monsieur le prof. Salut. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Bonjour. Non, on n'a rien trouvé du tout. Mais on a vu des choses. Il n'y avait que des conneries. Toujours convaincu que se séparer était une bonne idée?
Pas sûr. Disons que maintenant, je suis plus ouverte à d'autres propositions. Ah ! Tant mieux si vous trouvez ça drôle tous les deux. Moi, je pense qu'on a de sérieux ennuis, là. Votre double a été accusé. Vous savez ce qui est arrivé à votre double ? On l'a accusé de sorcellerie. Ouais. Pas seulement accusé. Elle a aussi été jugée coupable. Et condamnée. Nous devons savoir ce que risque cette femme. Ce qui va lui arriver ensuite. Cette idée me plaît bien. Mais je ne vois pas par où nous pourrions commencer. Bah déjà sortir du commissariat, quoi, déjà. Nous avons déjà suivi ces pistes. La réponse se trouve peut-être au bout de celle qu'on n'a pas encore prise. Très bien. Pourquoi pas? C'est complètement débile. On sait même pas sur quoi on va tomber là-bas. Bah justement, c'est qui est bien. T'inquiète pas, on va se sortir. Je sais que la nuit a été rude, mais... Non, vous n'êtes pas cette femme. Sous tes airs d'intello, tu caches apparemment l'âme du guerrier. Ah, elle me drague, elle me drague. Ta meuf, elle me drague. Ah ouais? Ouais, ouais. Elle m'a dit que j'ai une âme de guerrier sous mes airs d'intello. Ouais, ouais. Elle a raison, hein. Prince, Jir et John. Ah, t'es John, moi je suis Andrew. Et toi, t'es Andrew. Oh putain. Restez près des autres, tu veux la route qui mène jusqu'à la ville. Bah, c'est ce qu'on fait depuis le début, hein, cette en vérité. Cette brume est de pire en pire. Y'a rien, là. Oh, cette brume est de pire en pire. C'est peut-être à cause de la brume qu'on a dévié. On n'était pas censé s'en sortir en vie. Ouais, y'a de l'eau de ouf. Ah ouais? Ah ouais, là, y'a du pont, alors, là. Vous venez? Ouah, frère, ouah, ça va être Koh-Lanta, ça va être une preuve de Koh-Lanta, ça. Oh non... On n'y voit que dalle. Oh là là. Cette eau est toute noire. Hors de question que je m'en approche. Allez, on va voir ceux qui ont séché les cours de sport, là. Ok. Qui commence? Vas-y, moi. Monsieur le prof, apparemment, c'est vous le meneur. Quoi? Allez, vas-y, Prince, tu commences. Allez, pas de Prince. Pas de problème, je passe devant. Voilà. Vas-y. Allez, je crois en toi. Là. Mais non, on va vous aider à traverser, t'inquiète. Ça ira. Le prof et moi, on va vous aider à traverser sans souci. Voilà. N'est-ce pas, Prince? Oui. On va vous aider à traverser, oui. Vous pouvez compter sur nous. Top là. Bien joué. Bien joué, Roya. N'aie pas peur, n'aie pas peur, ça va aller. Allez, viens avec moi. J'arrive, je suis là. Je suis à côté. Et Roya, elle pèse 20 kilos, wesh. Putain. Hey. Non. Seigneur, on fait quoi? Ne reste pas là. Ta gueule, toi, putain de merde. C'est à cause de toi, le Qahba. Saute. Wesh, y'a encore bon. Tema, Enes. Mors-le. Enes, Tema, je reviens. Qu'est-ce que t'as là? Mors-le. Vas-y, va là-bas, Allez, vas-y. Allez, je me tire. Allez. Je t'aide, Troya, je t'aide. Ah, c'est elle. En ces temps de grâce, condamnée à mort. 192, elle est condamnée à mort. Nous sommes réunis séants pour assister à une juste exécution. C'est dingue. Non. Le tribunal a jugé Amy coupable d'hérésie. Bah oui, ils vont la jeter, Troya. Et condamné la sorcière à être noyée. Ils vont la noyer, oh non. Prions tous en silence. C'est la pire mort. Je n'ai rien fait de mal. Bah ouais, je mais trop tard. Pieuse. T'épuises! Voilà! Oh Dieu! C'est horrible! Fais un choix! Je sais pas comment vous aider! Ah bah dites-moi super! Ce que je peux faire! Monsieur! Je vous en prie! Aide-la, Roya! À l'aide! J'essaye! Mais aide-la, prends-lui la main! Mais je vais bien! Le démon est ici! Il veille sur son suppôt! Il veut l'affranchir de ses chaînes. Isaac, hâtons-nous de conclure la présente affaire. La volonté de la cour doit être faite avant qu'il soit trop tard. Le diable lui prête sa force. C'est pas le diable. Veillez à serrer ses liens. On n'est pas des diables, nous. Oh, les trucs de cow-boy là, les Santiago.
pas le droit. Isaac, je suis exécutez l'hérétique. À l'aide. Renvoyez cette sorcière chez son maître avant qu'ils ne viennent tous nous damner. Little Hope est déjà perdu, rongé par le mal. Oh, les dents, mais mon non, pote. Comme vous le prétendez, par les démons et les sorcières, ils nous rongent de l'intérieur. Tes boniments ne pourront pas te sauver. C'est la vérité. Le diable prend bien des formes, vous le savez mieux que quiconque. À Little Hope, le mal s'est dissimulé sous un voile d'innocence. C'est la petite. Qui a pris la forme d'une enfant, celle voilà. qui m'accuse. Exactement. Tant que Marie n'aura pas rendu l'âme, Little Hope ne connaîtra pas le salut. Vous cherchez le mal, révérend. Il est au milieu de vous. Voilà. Voilà. Allez, belle, dégage. Allez, bon bain. Oh là là, la pire mort, regarde. T'imagines? Horrible. Oh là là. Ouais, par contre, on meurt pas au bout de 5 secondes. Hein. Elle est morte au bout de 5 secondes. Hein. Oh my god. Ça me dit... Oh, ça me oh dit... son mari, c'est John. Skinner. Tout ça à cause d'un enfant, c'est grave. Mais elle est là en plus, oh god. Allez, Daniel, vas-y. Saute. Enfin, on dirait. Qu'avez-vous vu? Dites-moi. T'es morte. Je n'ai pas les mots. Je ne sais pas comment vous décrire ce que j'ai vu. Mais c'était la merde. Voilà, moi je lui dis. Votre sosie a été poussée à l'eau enchaînée. Voilà, t'es morte. Elle s'est noyée. T'es morte dans le film, ma belle. Oh, t'es mal à la tête. T'as pas vu ce que je vois? Voilà, j'ai vu ouais, sa tête. Il y avait une meuf qui faisait sous-marin, frère. Voilà, j'ai vu sa tête. Mathieu et Angela. Prince Jer et Angela. Allez, hop. Oh non. T'es la vieille. Oh putain, je vais crever. Non, là, t'es moi comment elle mouille. Très bien, je passe devant. Angela. Pourquoi t'es comme ça? Ok, c'est bon, on va aller voir. Tu vas mourir noyé. Hop là, hop, tu dis nous calme. Et moi je vais me péter, voilà l'arthrose. Ah, elle boule l'arthrose, elle est là. Et elle a fait. Ah. Oh là, en plus, j'avais acheté des ballerines. Ah, putain. Mon stérilis, il est tombé, bordel de merde. Ah, j'ai le mort. Wow. Ouais, c'est de l'eau. Ouais, c'est slider, c'est les mondes parallèles ou quoi? C'est du pétrole. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est moi! C'est pas près de lui! Courez! C'est moi! Dégagez d'ici! Merde! Ne me laissez pas là! Hey, je te sauve ou pas? Je te sauve ou pas? Ah, mais c'est ça que j'ai vu tout à l'heure! Je te sauve ou pas? Est-ce que je te sauve? Sauve-moi! Attendez! Attendez! Voilà, j'ai la flemme! Voilà, j'ai la flemme! Ok, je te sauve toi, prince! Bientôt, John. Non, non, pas, bon. pas moi! Si, je t'ai sauvé toi! Allez, viens! Il n'y arrivera pas! Laisse tomber, je vais me détruire! Mais quoi? Je vais mourir! Okay. Mais pourquoi? Je m'occupe de John, je reviens tout de suite! Tu t'occupes de John, moi je suis mort, c'est écrit dans le film! Mais non, il faut que je te sauve! Laisse-moi mourir! Oh, tu vas mourir! Oh non! Attrapez ma main! Allez, John, allez, let's go! Allez! Je vais la sauver! Vas-y, remonte! Non! Voilà, c'est bon. Il faut qu'on sauve Angela. Hey, on va te sauver! Angela! Vite! Allez, viens, prince, viens! Il m'a attrapé. Voilà, Gollum, il va me violer, wesh! Voilà, il va me faire violer par Gollum! Ah, Gollum, il va me baiser! Ah, Gollum! Ah, vas-y, Gollum! Mais il va me violer! Wow. Ah, le bâtard, il a tout lâché, hein.
Mais pourquoi t'as pas voulu que je te sauve? Mais Roya, c'est pas possible, c'est soit tu sauves lui ou soit tu sauves l'autre. Angela, non! C'est pas possible. Ça me dégoûte. Tu sais que j'aurais pu vous sauver tous les deux. Il faut qu'on se tire d'ici, voilà. Vite. Mais oui. Bah c'est pas grave. Mais non, mais quand je peux te sauver, Roya, viens. T'es rien, putain, frère. Toujours, et Prince, il fait les mauvais choix, toujours, même dans les jeux. Attends. Ah putain, elle va nous saouler, voilà. Mais pourquoi vous l'avez tué et tout, voilà. Elle s'est fait violer par Gollum et tout, oh non. Voilà, recommence. Mais non, c'est bon, j'ai vu que j'allais mourir, donc je vais mourir. Mais non, le but, Roya, c'est que tout le monde vive. Même si t'as vu que t'étais morte, on peut quand même changer Roya, les... Je suis monté. En fait, tu peux regarder, c'est quoi ta manette que t'as, c'est une Xbox? Ouais, ouais. Tu peux regarder X, c'est quel bouton, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai la manette de play. Bah, c'est 1. Oh, X. Merde. Voilà, j'aurais pu la sauver. Je me suis trompé, en fait, entre X et A. J'aurais pu la sauver, NS. Mais non, mais je... parce que moi, j'avais pas le menu de la play. J'avais le menu de la Xbox. Oh non, j'aurais pu la sauver, Miskina.